Si je souhaite ajouter des bulles de nomenclature à ce plan, sous l'onglet Table, je choisis le bouton Créer des bulles puis Créer des bulles par composant et vue. En bas à gauche, il est écrit Sélectionner une région. Je sélectionne cette table de répétition, donc cette nomenclature. Et si je sélectionne par exemple avec un clic gauche cet axe, et si je valide avec la molette de la souris, cela ne fonctionne pas. Je vais maintenant montrer comment faire pour faire apparaître les bulles de nomenclature. Je peux remarquer en bas de l'écran qu'une représentation a été choisie, nommée poulie motrice. Je peux aussi le voir en éditant la vue de face, en faisant un double clic dessus. Et sous état de la vue, je vois ici qu'une représentation simplifiée, nommée poulie motrice, a été choisie. En effet, l'auteur de ce plan a choisi une représentation simplifiée de ce sous-assemblage pour gagner en clarté pour la lecture de ce plan. Je vais supprimer cette nomenclature qui ne correspond pas à cette représentation simplifiée. Donc pour cela, sous l'onglet Table, je sélectionne la nomenclature et je la supprime. Ensuite, avec le bouton Table du fichier, je vais chercher la nomenclature pour visualiser uniquement les pièces de l'assemblage. Je fais Ouvrir. Avec un clic gauche, je place le tableau, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir créer les bulles avec le bouton Créer des bulles par composant et par vue. En bas de l'écran, c'est écrit Sélectionner une région. Et avec un clic gauche, je sélectionne cette nouvelle nomenclature. Puis ensuite, avec un clic gauche sur ce composant, par exemple, je valide avec la molette de la souris et la bulle apparaît bien. Donc je peux procéder de même pour ajouter d'autres bulles sur ce plan d'ensemble.